la chaleur, là, elle tape fort. Il est à peine 7h30 du matin pour y aller, je vous dis, c'est un embouteillage de ouf. Ce que l'on peut voir ici, c'est que cela fait 2 heures de temps que nous sommes sur les lieux. Évidemment, il y a tous ces petits marchands qui vendent des pistaches que l'on peut voir et... les recettes se font. Bien entendu, il faut garder toujours le sourire, sinon ce n'est pas inside outside. Vous voyez, nous ne sommes pas arrivés au rond-point. Là, sans doute, encore 1 heure de temps en plus. Ce problème d'embouteillage pour aller sur la RN 1 ne date pas seulement d'aujourd'hui. Ça a été toujours comme ça. Vous voyez tous ces bus qui sont sur les deux côtés. Mais pas uniquement les transports publics. Il y a également les voitures légères. Le mal en patience, il faut le vivre ici pour aller sur la RN 1. 2 heures d'embouteillage, vous savez, ça compte l'heure. Mais le plaisir nous attend à travers Inside Outside.